Bonjour à tous, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Beautyline. Aujourd'hui, on vous présente une nouvelle box qu'on n'a jamais présentée sur la chaîne puisque je suis nouvellement abonnée. J'ai reçu la box de septembre que je ne vous ai pas présentée et je vous la présenterai que si j'ai 15 commentaires qui me demandent de la présenter puisque j'ai estimé que l'ayant reçue début octobre, il était un peu inutile de la filmer. Par contre, aujourd'hui, je vais donc vous faire la vidéo de la Bellissime, parce que ici vous n'entendrez jamais dire Blissime, parce que je trouve ça vraiment pas beau comme nom. Mais par contre, comme il y a des jeux de mots avec Bellissime, Bellissima, moi j'ai envie de vous présenter anciennement Birchbox, mais ce qui est maintenant la Bellissime du mois d'octobre 2020. Alors ce mois-ci, voici comme elle se présente, et c'est toujours ma petite caméra woman qui va vous la décrire. Donc c'est une box un peu basique, jaune et doré qui brille. C'est des B partout, des petits B et des S. Et en fait les lettres elles sont coupées, elles sont mises un peu partout. Et c'est ça partout autour. Juste sur face, sur la face il y a du jaune doré. Mais tout le reste c'est que du jaune normal. Et pour tirer le tiroir pour l'ouvrir, il est rose pâle. D'accord, merci. Alors comme la petite caméra woman vous l'a dit, c'est une box. Alors elles sont pas toutes pareilles, parce que le mois dernier c'était une petite boîte à ouvrir comme une boîte à chaussures. Et ce mois-ci c'est un petit tiroir à ouvrir. Quand on l'ouvre, on a un prospectus qui présente des produits. On a une publicité voilà, qui nous est donnée dans la box. Et du coup ensuite on a les produits. Donc, la Bellissime nous propose des formats miniatures, ce qui est pas mal pour tester et pour éviter d'avoir des tonnes et des tonnes de produits qu'on n'utilise pas, qui se périment, voilà. Donc, c'est des miniatures et je trouve ça plutôt pas mal parce qu'en fait, ils nous font découvrir des marques vraiment parfois pas données, que de but en blanc comme ça, on n'aurait pas forcément acheté parce que ça fait cher. Mais voilà, ça nous permet de découvrir des choses qui, sans la box, ne seraient pas forcément dans nos moyens. Le premier produit, c'est une crème visage de la marque Kiehl's. C'est une crème hydratante et c'est 7 ml. Alors, cette petite crème, c'est mignon comme tout parce qu'elle est dans un tout petit pot de crème. Forcément, c'est 7 ml. Donc, c'est un petit pot... J'arrive pas à savoir si c'est du verre. Alors je crois que le bouchon est en plastique et que le petit pot doit être en verre, certainement. Voilà, je ne l'ai pas ouvert encore parce que j'ai des crèmes en cours. Mais c'est vraiment pour reconnaître, c'est vraiment un petit pot de crème miniature. C'est trop mignon. Enfin voilà, ça fait peut-être penser à des produits pour les poupées. C'est vraiment rigolo. Le deuxième produit... Alors ça, c'est un petit tube de crème qu'on peut poser sur son bouchon et qui a un bouchon qui s'ouvre, qui se dévisse, mais qui s'ouvre comme ça. Donc c'est une crème cheveux. Donc on nous dit qu'elle est hydratante, elle apporte de la brillance et c'est une crème coiffante. C'est de la marque Amika. Et ça, c'est un 20 ml. Donc je trouve que pour une miniature, les crèmes coiffantes, on n'a pas besoin d'en mettre des tonnes. Parce que sinon, on a les cheveux qui ne sont pas super beaux et ça graisse très vite après. Mais voilà, sur les longueurs, mettre cette crème, 20 ml, ça va nous durer peut-être quelques fois. En tout cas, pour tester, c'est très bien. Le troisième produit, ou devrais-je dire peut-être les troisièmes produits, c'est un duo de blush et d'highlighter. C'est ce que je porte sur le visage aujourd'hui. C'est une toute petite palette, en fait, c'est un duo. Ça se présente sous forme ovale. À gauche, vous avez le blush et à droite, l'highlighter. Et je laisse le soin à ma petite caméra woman de vous les montrer. Donc, c'est la marque Maï, M-A-Y-Y. Et donc, voilà, un produit qui est très facile à utiliser si vous ne voyez pas et que vous avez l'habitude de vous maquiller, ou même si vous n'avez pas l'habitude, en tout cas, j'ai réalisé ce maquillage sans difficulté. Le troisième produit, c'est un gloss
couleur rouge, enfin rose, un peu rouge, de la marque Bloomy. Voilà, donc il se présente sous forme un peu d'un tube de crème avec un bouchon assez long, mais du coup ça se dévisse et vous avez le gloss sous la même forme que tous les autres gloss, c'est-à-dire un petit pinceau. Je laisse à ma caméra woman le privilège de vous montrer la couleur. Voilà, il est comme ça. C'est également celui que je porte aujourd'hui. Le cinquième et dernier produit, c'est un bandeau pour les cheveux. Donc, c'est le genre de bandeau qu'on met quand on s'applique des soins. Donc, je ne l'ai pas déballé, je le fais en direct. Voilà. C'est une matière élastique, un peu coton. Donc, il est assez large. Est-ce que tu peux nous décrire sa couleur, s'il te plaît, nous dire s'il est beau ou... Oui, il est bleu clair. Le ciel, oui, il est beau, ouais. Donc voilà, je l'ai mis sur mes cheveux. Je finirai la vidéo comme ça. Pour moi, il me va très bien. Il ne me serre pas la tête, mais en même temps, il n'est pas trop large. J'aime beaucoup le fait qu'il soit large dans le sens où il monte assez haut sur mon crâne. Donc, si je m'applique un soin, je ne risque pas du tout de m'en mettre dans les cheveux. Il est un peu matière, presque un peu éponge. Donc voilà, et je l'utiliserai ce soir pour mon démaquillage, pour mon nettoyage, pour ma routine du soir. Voilà, j'espère que cette vidéo de la Bellissime du mois d'octobre vous aura plu. Vous ne retrouverez désormais plus la Beautiful Box Bio Féminin sur cette chaîne puisque je me suis désabonnée. Ce sera celle-ci qui prendra le relais. En attendant, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, à liker, à partager cette vidéo. Ça nous fait toujours super plaisir. Et s'il y a des commentaires, je réponds tout le temps. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et on vous dit à bientôt. Bye bye !